Il faut d'abord enjamber les grillages qui bordent les bretelles d'accès. D'un côté, la route s'engorge de voitures. De l'autre, le talus remonte vers des cabanes en bois et en tôle, comme celle de Farès. Moi, j'habite ici. Voilà ma cabane. Vous pouvez le voir. Sous de larges plaques de tôle rouillée, il y a une pièce à vivre. Au sol, des plaques de lino l'isolent de la terre. Un vieux canapé et une table en bois lui servent de mobilier. Un peu plus loin, sur le terrain, il y a un trou dans le talus. Ce sont des toilettes qu'il partage avec ce qu'il appelle des voisins. Un risque d'accident, mais aussi un risque sanitaire. Car ces cabanes sont humides. Le niveau sonore atteint ici en journée 80 décibels. Le seuil de risque, sans parler de la concentration en particules fines, elle aussi très élevée sur les bords de l'Axe.